Je vais bien. Qu'est-ce que tu fais à Montréal? Ben, je suis venu rencontrer le magicien de l'art. J'ai même entendu parler que tu ferais ta première à Québec, là, cet automne. Ouais, ben la première du spectacle a lieu à Montréal. Mais on va faire une première à Québec quelques jours après, là, par exemple. Oh, mais OK. De toute façon, c'est toujours bon de se pratiquer avant de faire la première. Ouais, si tu le dis, ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, bonhomme? Ben, cher Luc, j'aimerais ça. Là, moi, j'ai pas une minute à moi. J'aimerais ça que tu me multiplies. Alors, j'aimerais ça. Je peux pas être partout. J'ai aucun temps pour moi. J'ai besoin d'aide, là. OK. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est la célébrité, ça, bonhomme. Mais... Ah oui? Mais t'as pas peur que si je te multiplie, que les gens vont s'en rendre compte? Oui. Oui, t'as peut-être un peu raison là-dessus, effectivement. Les gens vont s'en rendre compte, hein. Ils sont pas dupes. Bon, OK. Laisse faire ça. C'est peut-être un peu trop risqué puis un peu trop dangereux. Mais avant de t'en aller, là, est-ce que t'es capable de me faire un petit tour de magie vite, vite, comme ça, là, rapidement? Ouais, ouais, je peux faire disparaître quelque chose, si tu veux. Ah oui? Comme quoi? Ben, je sais pas, Vas-y. Comme ça, mettons, un petit peu. Hey, non, arrête ça, c'est pas bon. Redonne-moi ma ceinture tout de suite. Salut, bonhomme. Luc, reviens ici! Bonhomme, tu m'en vas encore pour ça, là? Ben, un peu. Refais plus jamais ça, Luc, s'il te plaît. Bonhomme, moi je fais des illusions, là, mais il y a juste toi qui amène de la magie dans le carnaval à Québec. Ah oui? Ben oui. Ah oui, tu trouves? Okay. Je pense que oui. Merci, OK. C'est bon. Je t'en veux plus.